Qu'est-ce qu'une amende si je ne porte pas de masque dans les transports en commun ? Alors déjà, rappelons Clément que le port du masque va devenir une obligation dans les transports en commun à partir du 11 mai. Édouard Philippe, il a bien insisté là-dessus lors de son discours devant les députés mardi après-midi. Après, aura-t-on une amende si on ne le porte pas ? Eh bien oui, hein, c'est ce que dit en tout cas le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France. Et que dit-il concrètement ? Regardez ceci, nous devrions être sur quelque chose de similaire à celle infligée en cas d'absence sans attestation de sortie, c'est-à-dire 135 euros, mais ce n'est pas encore arbitré.